C'était vraiment bien réparti d'avoir deux professeurs chargés chacun d'une part de travail. Donc un professeur chargé de la théorie pour vraiment travailler les détails et pouvoir envisager le logiciel 3ds Max sous vraiment tous ses angles. Et ensuite un autre professeur chargé de la pratique où vraiment on peut mettre nos compétences et ce qu'on a appris en théorie en avant. Et là où on peut vraiment se rendre compte de ce qu'on a acquis et des lacunes D'accord. qu'on a rencontrées.